Blagnaquaises, Blagnaquais, chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel sur ce live. J'aurais préféré qu'on se retrouve en se disant ben voilà, la pandémie diminue, la problématique est derrière nous. Hélas, hélas, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Cette pandémie continue, alors avec à la fois les mesures de durcissement qui viennent d'être annoncées par le préfet, mais aussi. Des mesures d'assouplissement comme euh, le maintien des enfants dans les écoles. Alors c'est vrai, la pandémie est là, mais il faut que la vie continue, que l'activité demeure et c'est ce à quoi nous nous sommes attachés euh, tout au long de l'été. Tout au long de l'été, nous avons maintenu, organisé euh, les estivités avec une fréquentation euh, tout à fait euh, exceptionnelle de ces, esti de ces estivités, euh, puisque sur le mois de juillet, euh, il y a eu 8 121 personnes, ou tout au moins 8 121 visites, puisque bien sûr plusieurs personnes sont venues plusieurs fois, euh, 7 000 quasiment au mois d'août. Nous avons reçu des familles qui ont trouvé dans ces activités un endroit pour amener leurs enfants, pour se retrouver en famille, alors qu'ils ne pouvaient pas partir en vacances. Nous avons donc fait le choix de maintenir ces activités et je crois vraiment que nous avons fait le bon choix. Pendant l'été, nous avons aussi lancé euh, l'opération Murmure, qui s'achève. Vous avez voté, euh, nombreux, plus de 1000 votes, sur euh, les pro projets qui vous étaient proposés. Aujourd'hui, eh il y a deux projets qui se détachent, qui sont très très proches l'un de l'autre. Il y a deux voies d'écart entre eux. Et donc, euh, nous réunirons prochainement le jury pour euh, décider qui euh, de ces deux euh, euh, artistes, Aura été retenu pour réaliser cette fresque. Bien sûr, la pandémie est là, mais après des interrogations, nous avons souhaité maintenir le forum des associations. Et lorsque l'on regarde les 4000 ou plus de 4000 visiteurs qui ont été là, les, 80, les plus de 90 associations qui ont souhaité être présentes au forum, je pense que nous avons véritablement bien fait. Dans tous les cas, j'ai rencontré quasiment toutes les associations qui étaient présentes et toutes, toutes sans exception, m'ont dit euh, leur satisfaction de voir euh, ce forum des, des associations euh, maintenu. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, euh, nous sommes encore euh, dans une situation compliquée. Nous allons encore avoir euh, devant nous euh, des problèmes. Nous devons euh, malgré tout assurer la continuité. On va faire un point tout à l'heure sur euh, la rentrée scolaire. Sur ce qui se passe dans les écoles, et c'est vrai que nous devons sur ce sujet continuer à accueillir les enfants en assurant bien sûr le maximum de sécurité, mais nous avons à la fois des agents dans les allées, mais aussi des enseignants, on va en parler tout à l'heure, qui sont tout à fait prêts à ça. Et puis, j'y reviendrai peut-être à la fin de ce live. Nous allons aussi maintenir un certain nombre de manifestations, toujours dans le cadre du respect des gestes barrières, toujours dans cette volonté d'assurer la sécurité. Mais nous sommes confrontés aujourd'hui à une difficulté. La vie à Blagnac ne doit pas s'arrêter. Nous maintenons et nous avons maintenu le marché. Je veux dire sur le marché, par exemple. À un moment, il y avait une contradiction. D'ailleurs, que les gens qui allaient dans grande surface ou en moyenne surface pouvaient se servir eux-mêmes des légumes, des fruits. Et par contre, quand elles étaient sur le marché, elles ne pouvaient pas parce que seul le commerçant pouvait les, les servir. On a eu un allègement de cette mesure et immédiatement, nous l'avons appliquée au marché de plein vent, de telle sorte que nous avons réduit les fils d'attente, que nous avons fluidifié euh, les fils d'attente pour permettre effectivement aux gens de, de se servir normalement. Et bien sûr, la règle, c'est lorsqu'on a touché un fruit ou un légume, de le prendre et de ne pas le reposer. C'est de prendre la précaution de s'imbiber les mains de gel hydroalcoolique. Mais les blagnacais et les blagnacaises le font. Et je crois que c'est sur la confiance dans les blagnacais et les blagnacaises, la confiance dans les citoyens, que l'on va arriver, malgré la pandémie, malgré les difficultés, à fonctionner. Alors j'ai tout à l'heure avec vous, nous avons eu l'événement important. Ça a été la rentrée scolaire. Et pour parler de cette rentrée scolaire, je vais Accueillir maintenant Émilie, euh, ben, Émilie Bentain qui est euh, la directrice Enfance et Enseignement euh, à la mairie de Bagnac. Alors, Émilie, on va respecter la distanciation. Ça va vous permettre euh, de parler sans le masque. Moi, je vais m'éloigner un petit peu. On a un maître, donc euh, nous sommes respectueux de la, de la distanciation. Alors, Émilie, j'ai eu le plaisir euh, de faire avec vous euh, cette rentrée, d'aller dans toutes les écoles. Moi, j'ai ressenti. Euh, D'abord, de la part des enseignants, un vrai bonheur de retrouver l'école. Ils étaient là, heureux. J'ai vu des gamins qui étaient aussi très heureux de retrouver les, les copains. Vous, vous qui êtes en, en charge des affaires de l'éducation, comment vous jugez cette rentrée Bonsoir, monsieur le maire. Euh, bonsoir, c'est une rentrée... Euh, entre guillemets normal, euh, avec des effectifs à peu près constants. On était 2384 euh, au 3 septembre. Une rentrée avec de l'enthousiasme de la part des équipes à l'AE euh, et des enseignants. Malgré euh, le protocole sanitaire euh, qui est allégé, mais qui est toujours existant, on a pu euh, voilà, accueillir tous les enfants et reprendre le fonctionnement habituel en cette rentrée. Okay. Aujourd'hui, euh, comment vous jugeriez euh, après. Euh plus de moi, hein, euh, la façon dont les choses euh, se passent, comment euh, c'est reçu par les enseignants, par les parents, euh, quel jugement vous portez avec euh, ce décalage sur euh, la façon dont fonctionne l'école à Blagnac je pense qu'il euh, y a beaucoup d'adaptation de la part euh, des équipes, euh, des enfants. Euh, C'est ce que l'on ressent quand on va sur euh, le terrain. L'adaptation par rapport aux gestes barrières, euh, le, le port du masque aussi, il est très très respecté. D'autant plus que nous avons mis des, des nouvelles règles en place avec les animateurs euh, euh, de façon provisoire pendant la durée de la pandémie. Ils ne mangent pas avec les enfants. De sorte, euh, ils sont bien sûr dans la salle de restauration, mais ils peuvent garder le, leur masque tout le long de leur temps. De travail et ces mesures euh, limitent les risques de propagation de, de l'épidémie. Euh, aujourd'hui on a rouvert les, les quatre classes qui ont fermé euh, au cours de ces trois premières semaines et on espère euh, avec euh, les nouvelles règles de fermeture qui aujourd'hui sont plus, plus souples, on espère tenir le cap euh, de garder nos personnels et de limiter les, les cas contacts. Très bien. Alors, euh, on a des effectifs par classe. Euh, est -ce, comment les, les choses se passent Moi, euh, vous m'avez dit, euh, ben, vous savez, Monsieur le Maire, finalement, euh, au niveau des, des effectifs par classe, ça se passe pas trop mal. Alors, les effectifs, aujourd'hui, euh, euh, on a la chance d'avoir des classes qui ne sont pas pleines hein, dans, dans chacune des écoles. On a aussi euh, la chance de pouvoir, dans beaucoup de sites, respecter euh, un maximum de, de nombre brassage des groupes, et euh, les groupes classes, et sur euh, le périscolaire. Et, euh, et on, on a des effectifs constants, mais on a quand même pu ouvrir euh, deux classes euh, une classe sur Cassin élémentaire et une classe au Perseid élémentaire. Très bien. Alors, à côté de l'école, il y a le PEDT. Est-ce que le PEDT va repartir Quand est-ce qu'il va repartir Sous quelle forme Alors, euh, aujourd'hui, on est sur la dernière année euh, du PEDT. On est dans une période de renouvellement. Dans cette période, bien sûr, on continue les, les ateliers découvertes qui vont démarrer euh, de façon progressive. Euh, à partir de la semaine prochaine, notamment pour les grandes sections et entre midi et 2, et puis de façon généralisée dès le retour des vacances d'automne. C'est une année de concertation, puisqu'on va lancer à partir de janvier les, les assises de l'éducation, avec des conférences et des ateliers avec tous les partenaires de la politique éducative, les parents, les associations locales, le personnel, les enseignants. Donc on espère euh, voilà, partager euh, nos valeurs avec euh, les partenaires de l'éducation. Alors euh, il y a les vacances de Toussaint qui viennent se profiler. Que va-t-on faire euh, au niveau de l'accueil des enfants pendant cette période-là Les centres de loisirs, comment ça va se passer Je crois que les, les parents qui sont là euh, ben, attendent un petit peu qu'on leur donne quelques réponses et quelques pistes par rapport à ça. Les centres de loisirs euh, ont fonctionné euh, normalement cet été, fonctionnent normalement les mercredis, les vacances. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Et euh, en, nous mettons tout en œuvre pour, euh, malgré le contexte sanitaire, pouvoir fonctionner euh, comme euh, habituellement. Bah écoutez, c'est vraiment de, de bon augure. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter C'est que les choses continuent à se passer comme ça Tout à fait. Bon, ben écoutez, merci beaucoup Émilie. Euh, je crois que c'était important que les Blagnacès et les Blagnacais vous entendent. Moi je souhaitais aussi que vous puissiez les rencontrer. Euh, ben, on ne voit pas toujours ceux qui sont derrière, ceux qui font que la machine fonctionne. C'était l'occasion aussi de vous présenter aux, aux blaniaques et aux blagnacs. Merci. Merci Émilie. Bien alors... Euh, le processus traditionnel, c'est de répondre aux questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je ne vais pas répondre, il y a eu près d'une trentaine de questions qui ont été posées, je ne vais pas répondre aux questions les unes après les autres, on va regarder par thème, et puis, d'ores et déjà, je présente mes excuses à celles et ceux qui ne trouveraient pas les réponses aux questions qu'ils ont posées. Il y en a une qui m'est posée. Euh, à l'Alaé euh, de l'école Saint-Exupéry, il y a eu la grève le 17. Et pourquoi les parents ont-ils été, ont été prévenus tardivement Lorsque nous avons des grèves, il y a deux catégories de personnel qui peuvent se mettre en grève. Lorsque le personnel enseignant est en grève, nous sommes prévenus par l'éducation nationale, mais nous sommes prévenus tardivement parfois la veille et lorsqu'il y a plus d'un quart des enseignants qui sont en grève nous sommes amenés à organiser le service d'accueil minimum. Ça nous savons le faire nous sommes prêts. Mais il y a une autre catégorie de personnel qui sont effectivement les animateurs des allées. Et là ce qui s'est passé c'est que nous avons eu une information tardive des grévistes que nous avions dans les allées. Qu'est-ce qu'on a fait On a essayé en regardant ce qui était en grève, ce qui ne l'était pas, comment on pouvait éventuellement assurer malgré tout l'accueil des enfants dans le respect de la sécurité de cet accueil. Et euh, malgré euh, toutes les étapes euh, et, et tous les dispositifs, on n'est pas arrivé à cela. Ce qui fait qu'effectivement, je vous prie de m'en excuser, hein, les parents concernés, on a été amené à, 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 à effectivement vous informer tardivement. Mais on vous a informé tardivement parce que nous-mêmes sommes dans une situation compliquée. Je rappelle que avant euh, le Covid, nous avons été amenés dans ce processus et dans l'organisation de ce système à faire appel aux parents d'élèves qui avaient accepté lorsque nous avons eu des grèves à répétition des alaïs pour pouvoir accueillir les enfants. Nous l'avions fait en concertation avec les associations de parents d'élèves. Ça s'était bien passé. Là, le problème, c'est que nous avons eu une information tardive. J'ai une deuxième question. Covid, des événements comme la fête foraine, retrouvons-nous, seront-ils annulés alors la réponse est non, ces événements ne seront pas annulés. Lorsque nous organisons des événements de, de cette nature, naturellement, euh, on élabore un protocole qui euh, dif, définit la façon dont on organise cet événement. Ce protocole est transmis à M. le Préfet. Et nous demandons donc à M. le Préfet que, sous condition du respect de ce, de ce protocole, si nous pouvons organiser la manifestation. Et, bien sûr, euh, le préfet, dans le cas précis, et j'ai eu des contacts avec lui, nous dit en respectant la jauge, en respectant les masques, en respectant les gestes barrières, vous pouvez organiser cela. Je peux parfaitement comprendre qu'un certain nombre de, de Blagnacais et de blagnacais considèrent que malgré cela, il y a un risque et qu'ils ne souhaitent pas venir. C'est complètement leur droit, mais je ne peux pas non plus priver celles et ceux qui voudraient venir d'être présents. Lorsqu'il a été indiqué que l'école n'était pas obligatoire, il y a des parents qui ont décidé que pour la sécurité de leurs enfants, ben, ils n'allaient pas les mettre à l'école, ils les gardaient chez eux. D'autres, parfois par obligation, parce qu'il fallait aller travailler, ou bien parce qu'ils avaient considéré que le lien social était déterminant, ont décidé de mettre leurs enfants à l'école ou de les mettre dans le service municipal d'accueil que nous avions créé à cet égard. Moi, je pense que dans cette affaire, il faut respecter le choix de chacun et laisser la liberté à chacune et à chacun de se déterminer en fonction de ses propres perceptions. Donc rien n'est obligatoire. Celles et ceux qui considèrent que ces manifestations présentent un risque, ben, euh, ils font le choix de ne pas y aller. Celles et ceux qui considèrent que c'est l'occasion de se retrouver euh, peuvent y aller et voilà pourquoi le, nous le maintenons. Vous nous demandez aussi, allez-vous mettre en place des centres de dépistage il s'avère que jeudi dernier à cornemarieux j'ai assisté avec le maire de cornemarieux à une réunion organisée par les médecins qui effectivement s'interrogeaient sur l'opportunité de réouvrir ou pas les centres de dépistage. la question qui leur est posée c'est la disponibilité des médecins. lorsque nous avons ouvert les centres de dépistage sur la première vague les cabinets des généralistes étaient vides et donc les généralistes étaient disponibles pour se rendre sur les centres de dépistage. Aujourd'hui, les cabinets de généralistes ont retrouvé leur activité et la disponibilité des médecins n'est pas la même. Donc ouvrir les centres de dépistage, ça signifie avoir un nombre de médecins suffisant pour pouvoir l'organiser. Ensuite, organiser les centres de dépistage, ça signifie qu'il faut qu'à côté du dépistage, nous ayons la possibilité de faire des tests. Donc ça veut dire que c'est non seulement la consultation, mais le test qui doit être organisé. Donc pour l'instant... Ce que nous avons dit avec le maire de Cornebarieux, c'est que si les médecins et l'ARS, et bien sûr le syndicat des médecins, de l'ordre, décidaient de les rouvrir, la ville de Cornebarieux et la ville de Blagnac continueraient à être présents, à accompagner, à mettre à disposition les locaux si tel était leur choix. Mais bien sûr, le choix n'appartient ni à la commune de Cornebarieux ni à celle de Blagnac. Le choix, il appartient d'abord aux médecins. Bien sûr, Il eût été surprenante de ne pas avoir une question sur le squat. Le squat nous avons progressé puisque nous avons aujourd'hui une décision de justice qui dit que ce squat doit être évacué. Donc la décision de justice est là. J'ai rencontré monsieur le préfet et les services de la préfecture pour organiser l'exécution de ce jugement. Bien entendu, je ne peux pas aujourd'hui aller au-delà dans la divulgation de ce qui a été dit à l'occasion de cette réunion. Simplement, euh, le préfet a la volonté d'appliquer la décision de justice. Je ne peux pas en dire davantage, mais voilà ce que je peux dire ce soir sur le, sur le squat. On me pose aussi la question des mesures contre l'insécurité et les assises. J'étais encore cet après-midi en réunion avec le commandant Pouchant avec le commandant Le Griffon, les deux responsables de la police nationale, pour faire un point. Alors il est vrai qu'on est obligé de faire aujourd'hui une corrélation entre le squat et un certain nombre d'incivilités, voire d'actes délinquants qui sont commis. Mais je peux vous assurer que la question de la sécurité est une question qui est au centre de mes préoccupations. Oui, nous allons organiser les assises de la sécurité. Je m'en suis ouvert à la police nationale pour qu'elle participe. Et avant la fin de l'année, je pense au mois de novembre, nous pourrons aller devant les Blagnacais et les Blagnacées pour l'organisation de ces assises et poser réellement ce qu'est la problématique de la sûreté, la problématique de la tranquillité, la problématique de la sécurité à Blagnac. Les choses sont pas faciles. Je crois que si elles étaient faciles, on aurait trouvé les solutions. Et ce que j'attends aussi, c'est que chacune et chacun, dans sa responsabilité, puisse accompagner ses démarches relatives à la, à la sécurité. Une autre question, impossible de trouver un médecin à Blagnac Oui, oui effectivement, la pénurie des médecins généralistes ne touche pas que Blagnac, hein, elle, ça touche la métropole. Aujourd'hui, la vraie question, elle est liée d'abord... À la pénurie de médecins liés au numerus clausus. On a aujourd'hui une pyramide des âges qui concerne aussi les médecins, les médecins qui partent en retraite, avec d'autres médecins qui ne sont pas forcément encore prêts à les remplacer. Et puis, les médecins ont une autre conception de leur métier et qu'on ne peut pas leur en vouloir. C'est effectivement d'exercer leur métier de médecin, d'être totalement disponible dans leur métier, mais aussi d'avoir une vie à côté. Ce qui veut dire que, L'organisation d'un pôle médical, c'est aujourd'hui des cabinets de groupe. Alors, bien sûr, je rencontre les médecins. On est en train d'avancer, de travailler là-dessus. Et euh, je pense que euh, d'ici euh, quelques mois, nous serons amenés à avoir des, des propositions dans ce sens. Enfin, j'ai une dernière question. Comment réguler euh, la vitesse des voitures Alors, on me dit Avenue Compense, Servanti. Alors, j'aurais euh, tendance à dire si ça n'était que qu'Avenue Compense et Servanti, les choses seraient relativement simples. Le problème, c'est que quand vous êtes avenue de Corlebarieux, quand vous êtes chemin d'Aussonne, quand vous êtes avenue d'Andromède, les questions de vitesse, elles y sont. Alors, oui, on va travailler là-dessus. J'ai demandé à mon collègue Gérard Rassoul, qui a la mobilité en responsabilité, de faire des propositions. Ça veut dire aussi que si on veut travailler contre les excès de vitesse, il y a des décisions à prendre qui sont des décisions compliquées. Est-ce que. Les Blagnacais et les Blagnacais acceptent que nous mettions en zone 30 la totalité de la ville de Blagnac. Si la réponse est oui, ça veut dire qu'il faut que nous mettions aussi en place l'accompagnement dans la modification du réseau routier de mesures permettant de faire respecter cette décision. Bon, là aussi, le processus est engagé, les choses ne sont pas simples. Nous aurons des propositions à faire sur cette question-là avec, je le répète, des désagréments pour un certain nombre de bagnaquais qui vont nous dire « Mais pourquoi là c'est à 30, on pourrait rouler à 50 ?» Ah oui, mais la question elle va se poser dans ces termes-là, quelles sont les limites de liberté de circulation qui génèrent une véritable politique de réduction de vitesse. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai balayé l'essentiel des questions qui nous, avons, qui nous ont été posées. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, le Covid est là, mais l'activité euh, à Blagnac continue. J'ai parlé du Forum des associations et les associations blagnaqueuses ont redémarré, ont recommencé. Et j'ai le plaisir euh, d'accueillir Frédéric Pujol. Frédéric Pujol, qui est le, le président de l'élan gymnique de Blagnac. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, monsieur le maire. Merci d'avoir répondu euh, à mon invitation. Mais merci à vous. Alors, Frédéric, euh, j'étais en train de le dire. Les associations étaient impatientes de recommencer. Oui, hein, c'est ça Très impatientes, oui, du fait de, de, de ce confinement depuis le mois de mars. Donc on a eu la chance quand même de pouvoir rouvrir euh, en fin d'année dernière, le mois de juin. On a quand même pu euh, ouvrir certains, certains créneaux et reproposer de la gymnastique à nos, à nos adhérents. Mais euh, très impatientes surtout de reprendre une année, une année qu'on espère normale, même si au jour d'aujourd'hui, c'est encore compliqué de se projeter et, et de voir bien loin euh, où cette année va nous amener. Le club, que c'est combien de, de pratiquants euh, tout confondus Mais allez-y. Notre club a terminé l'année dernière à 795 adhérents. Donc c'est un assez gros club. Euh, cette année, du fait du Covid, on a un petit peu réduit nos effectifs et je pense qu'on aura une perte de 80 euh, environ licenciés. Mais plutôt pour respecter euh, les gestes barrières euh, et... Euh, et permettre aux enfants de, de faire de la gymnastique dans des meilleures conditions. Mais pas du tout par manque d'adhésion, parce qu'on a toujours autant de succès, hein, du fait quand même de la structure. Que nous avons et qui n'est pas malheureusement dans toutes les communes la même, hein. donc du coup nous avons toujours autant de succès. Euh, non, l'inquiétude elle n'est pas. Les parents ils ne sont pas du tout inquiets par rapport à ça, ils ne nous ont pas du tout euh, posé de questions par rapport à ça. L'inquiétude elle est plus si le club était amené à refermer comme c'est arrivé l'année dernière. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que bon, là aussi hein, on a travaillé ensemble, mm -hmm. vous nous avez proposé un protocole. Oui. On a défini les conditions dans lesquelles on pouvait Tout à fait. redémarrer cette activité. On a pu démarrer, comme vous l'avez dit, au mois de juin. Mm -hmm. Moi, je, je suis ravi que vous, en tant que président, mais avec les autres clubs, vous ayez accepté de définir ce protocole, de mettre en œuvre le respect. C'est quand même pas trop compliqué. Alors c'est compliqué, on a, on a... Si, bien sûr que c'est compliqué parce que ça, ça brasse beaucoup de monde dans un espace réduit. Il euh, y, y a des règles qu'il faut respecter, notamment les vestiaires que l'on ne peut pas ouvrir. Euh, donc oui, ça, ça nous a obligés à modifier notre, notre façon de fonctionner. Ça nous a obligé à faire des, des sens de rotation, c'est-à-dire que les enfants rentrent à un endroit et sortent à un autre pour ne pas se croiser. On a interdit aux parents de rentrer dans la structure pour éviter justement le brassage de, de personnes. Euh, on a mis du gel hydroalcoolique, bien évidemment. Donc tout ça fait que ben, aujourd'hui, c'est plus compliqué que les autres années. Mais on va dire, quand on a envie, on doit y arriver. On met, on met les choses pour y arriver. Et, et d'ailleurs, vous êtes là pour nous aider et pour nous épauler aussi euh, dans ces choix. On a bien un protocole de la Fédé, mais heureusement que la mairie est là aussi pour, pour nous aiguiller et nous aider. Alors vous avez démarré aussi avec des, des gamins, enfin des enfants plus jeunes. Qui aujourd'hui n'avait pas démarré parce que ça existait, mais vous démarrez quand même très tôt euh, au niveau de la gym. Finalement. Alors, oui, on a la chance d'avoir des, des enseignants qui sont formés pour avoir le label Petite Enfance et donc on a le droit de recevoir les enfants à partir de 15 mois. Donc bien évidemment qu'à 15 mois, ils sont accompagnés d'un parent, parce que ça serait ingérable. Mais c'est vrai que c'est un des sports, je crois, avec euh, les bébés nageurs d'ailleurs, qui les prennent aussi tôt. Et c'est vrai que c'est un avantage pour nous, ce qui fait aussi notre succès, parce que les parents, souvent, ils ne savent pas trop mettre les enfants si petits. Et du coup, ben, la gymnastique euh, en bénéficie. Mais écoutez, moi, je suis ravi de, de voir un club comme celui-là. Ce qu'on observe, et vous étiez présent, bien sûr, au forum, oui. euh, c'est cet engouement qu'il y avait. Pendant le forum, des gens qui sont venus, qui sont heureux de tout voir que fait. les associations fonctionnent, que c'est ouvert. Oui, tout à fait. Alors, nous, on a eu du monde comme tous les ans, mais je regardais un petit peu mes collègues autour de moi. Tous les stands étaient finalement bien, bien garnis et plein de questions, et, et les gens vont à droite, à gauche, se renseignent, et on sent une volonté, effectivement, de mettre les enfants dans des activités, que ce soit sportives, artistiques, culturelles. Voilà, on sent que les parents ont envie, et les enfants aussi, d'ailleurs. Parce que c'est ça le gros, l'importance, c'est de pas forcer les enfants et de les laisser faire un petit peu, de choisir leurs activités. Oui. Parce que sinon, Alors, après, on n'arrive pas. Moi, je suis ravi parce que bon, ce qu'on nous explique, hein, c'est que bien sûr il y a la pandémie, bien sûr il y a le risque sanitaire, mais on entend aussi de plus en plus de, de, de psychologues dire mais attention, il y a un autre risque, c'est le risque psychologique, la perte de lien social. Et moi, je suis ravi quand je vois que les associations comme les vôtres. Euh, malgré les difficultés, continuer à assurer ce lien social, à permettre à ces jeunes, à ces familles de, de pratiquer. Ça, c'est essentiel. Après c'est vrai qu'on a un public, les enfants, il, le lien social, il n'y a que ça pour eux, puisque c'est les copains, les copines, c'est s'amuser. Donc du coup c'est facile et même c'est même compliqué justement de pouvoir les laisser euh, garder les distances de sécurité parce qu'ils ont tendance à aller les uns vers les autres. Et ils ne pensent pas à tout ça, même si je pense qu'avec les écoles, les associations, les parents, ils sont quand même bien préparés maintenant et ils ont bien assimilé quand même euh, ce que c'était que cette euh, situation-là. Okay. Alors après, il y, a la, il y a la compétition, oui. il y a les performances. Bonne année, là, parce qu'on avait quand même quelques gymnastes de grande qualité, Blagnard. Alors, ben oui, ben du coup, ben on a toujours un gymnaste au Pôle Espoir Lyon, hein, ça, mais bon, il n'a pas, pas pu finir son année comme tous les autres sportifs de, de haut niveau, puisqu'il n'y a pas eu de compétition. Euh, nous, le, ben, comme tout le monde, le, les compétitions sont terminées au mois de mars, donc on n'a pas non plus fini euh, l'année la, euh, sportive l'année dernière. On espère cette année pouvoir en faire, mais ça nous paraît encore compliqué au vu des mesures, donc on attend de voir comment la situation va évoluer. Mais c'est vrai que deux années blanches, ça serait compliqué en termes de motivation pour, euh, pour des sportifs, quoi, tout simplement, ouais, ouais, parce ouais. qu'ils s'entraînent et quand la ils s'entraînent, c'est pour faire de la compétition. <laughs> voilà, c'est pas pour juste euh, s'entraîner au gymnase. Il y a ouais, aussi ouais, euh, les ouais. résultats qui comptent. Et c'est ça qui est compliqué à expliquer aux enfants, leur dire Ben bah, non, tu t'es entraîné, mais finalement, tu ne vas pas pouvoir démontrer ce que tu sais faire en compétition parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Écoutez, Frédéric, euh, vraiment merci euh, pour. Euh... Merci d'avoir été, été avec moi. Je crois que vous Merci incarnez à, vous. Euh, à travers euh, ces propos euh, mais finalement l'ensemble de nos associations sportives mais aussi de nos associations culturelles hein, qui euh, s'inscrivent dans la même démarche. C'est vraiment une richesse extraordinaire que nous avons à Blagnac, oh, oui, ça ce ça. réseau associatif des associations sportives culturelles qui sont dans le champ social. C'est grâce à vous, grâce aux bénévoles Écoutez. que tout ça fonctionne et ben, je crois que... En votre nom, Blagnacais et Blagnacais, je crois qu'on peut dire merci à, à Frédéric et puis merci à tous les autres bénévoles qui, qui fonctionnent et qui œuvrent pour, pour tout ce qui se passe à Blagnac. Mais c'est un vrai plaisir, mais merci aussi à la mairie, parce qu'avec les structures que vous proposez aussi, ça permet à, à des clubs comme nous d'exister. Ok. Merci. Bon, j'ai. Oui Non, je n'ai pas de questions euh, sur euh, Facebook. Donc euh, Au Voilà. Moi, je voudrais simplement euh, vous faire. Euh, Faire un petit rappel. Ben, le rappel, c'est que ce week-end, ben, nous allons nous retrouver, puisque c'est le week-end Retrouvons-nous, dans un format euh, qui est un format euh, adapté euh, aux conditions. Euh, nous avons été amenés euh, à supprimer ce que nous avions prévu, un pique-nique géant, on n'a pas pu le faire. Nous avions aussi euh, un spectacle musical avec l'invitation à la danse que nous ne pouvons pas faire. Bref, nous nous adaptons pour respecter... Euh, les gestes barrières pour respecter le protocole dont nous sommes convenus avec le préfet pour pouvoir, somme toute, continuer à organiser ces choses-là. Naturellement, je serai encore là et je viendrai vous retrouver le mois prochain pour d'autres échanges, d'autres discussions. En attendant, encore merci de vos interventions sur les réseaux sociaux. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui ne font pas plaisir, il y a des choses qui font plaisir, mais quand on accepte des responsabilités, il faut aussi accepter euh, les questions. Et c'est surtout important que j'ai l'occasion, que je puisse avoir l'occasion de vous répondre directement, de vous dire oui, euh, j'entends je comprends votre question, voilà. Et voilà ce que nous faisons. Et pour moi, le live, c'est aussi euh, cet exercice qui me permet de vous expliquer que les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles n'apparaissent au premier abord que les yakafaucons n'existent ben, pas très souvent dans les collectivités, que s'il si, euh, suffisait de claquer des doigts pour euh, avoir des résultats, ça se saurait. Dans tous les cas, moi je suis ravi euh, du, de les, de les, des échanges que nous pouvons avoir, de l'implication des blagnaques et des blagnaques. On va vous proposer très prochainement le mécanisme de démocratie coopérative que nous vous avons proposé à l'occasion de la campagne. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir, vous aussi, participer directement à la vie de la commune et toucher du doigt, parfois, les problématiques auxquelles nous sommes confrontés sur le vélo, sur les déchets, sur la propreté, sur la sécurité. Et puis, bien sûr, il faudra aussi laisser la place aux jeunes. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci de votre écoute et au mois prochain. Merci.